Hop là, salut à tous, on est reparti pour la suite de Sly Raccoon. Attendez-moi, Sly Cooper. On est parti pour la suite, on s'était laissé là. L'œil du serpent, non c'est pas ça. Comment on fait pour aller dans... Ah, on peut rejouer du coup au niveau qu'on a déjà fait, d'accord, intéressant. J'ai trouvé un chemin pour aller à Haïti. Ok, bah c'est comme ça du coup. Hop, je vais mettre ça en plein écran. Let's go. Le troisième membre des cinq maléfiques n'était autre que l'infâme prêtresse, Miss Ruby. Née dans une famille croyante, elle avait vite effrayé les autres enfants et grandi à l'écart. Elle apprit à invoquer les morts-vivants, ce qui l'isola encore un peu plus. Devenue adulte, Miss Ruby se lança dans le crime pour punir le monde de l'avoir ainsi rejetée. Elle devint le chef mystique des cinq maléfiques et utilisa ses pouvoirs pour enfreindre à la fois la loi des hommes et celle de la nature. Mais sa terrible réputation ne l'empêcha pas de préférer l'obscurité. Elle aurait ainsi fui la civilisation pour se réfugier au cœur le plus profond de la jungle haïtienne. Ok. Non, ok, d'accord. Bon. Un gros moustique. Tu te fais sucer par ça, t'as plus de sang. Tu fais un coma direct. Tu vas pouvoir se débrouiller sans moi pour une fois. Tu ne crois pas aux fantômes, n'est-ce pas? Bien sûr que si. Mes scanners ont détecté une certaine activité paranormale. Mais la vérité est ailleurs. Ce marais regorge de moisissures et de bactéries. Tiens-toi prêt, Bentley, on a du pain sur la planche. Eh bien, soit. N'oublie pas le nouveau coup figurant sur la page du Volus ratonus dérobé à Mugshot. Tu parles du raton Ray? Les racines et les plantes grimpantes du coin s'y prêtent bien. Il te suffit de... Sauter et appuyer sur la touche cercle. En particulier là où l'écorce est usée. Ainsi, okay. Aux endroits rendus glissants par la vase gluante, tu pourras grinder comme un vrai skater sur le pipe. Je kiffe ça. Et du coup, il y a une autre racine alors. Non? C'est pas ici? Ouais, alors je suis pas convaincu par contre. Oh, il y a une bouteille là. Ok, non, d'accord. Bon, il y en a combien des bouteilles? 20, ok. Oula! Fichu bestial, va. Non! Bah, si. RIP. Je sais pas combien j'ai de vie en plus depuis l'épisode 1. Je pense qu'on est pas loin du game over. Hein. Ouais, voilà. On est pas loin du game over. Ben voilà, piqué par un moustique. Bon, c'est pas grave, de toute façon on revient là, donc tranquille. Là. Tranquille, tranquille. Ok, mais prends une diarrhée, Bentley. Hop là. Ok, là on fait ça, il veut pas se mettre, j'ai failli tomber. Hop là, ok, on vient là, attention à l'araignée. Tiens, il y a un truc en dessous, non? Attendez. Non, mais je vois rien. Oh, la caméra. En fait, il y a des trucs en dessous. Là-bas, on a une bouteille. Elle est où l'araignée? Elle est là. Hop, la vilaine. Hop, ok, on vient ici. Tac, tac. On est 6 sur 20. Je sais pas si on peut aller là-bas en vrai. Hein. Hop, mais non! J'ai pas vu... En plus, il n'y avait pas de checkpoint. Ça, c'est encore autre chose, d'ailleurs. C'est là que je voulais aller. Oui, il y a un passage là en dessous. Non, je sais pas si on peut aller par... Le fait qu'il y en aura, sinon, il y a peut-être moyen...
J'ai peur de me casser la gueule encore. Vraiment. Ah, araignée, il y en a deux en plus. Ah, c'est horrible. Ok, checkpoint, parfait. Gros moustique. Gros moustique. Gros moustique dégueulasse. Là, il y a une bouteille. Ben voilà, c'est là que je voudrais... Non, mais non. Je sais pas comment je peux faire pour atteindre la truc là-bas. En vrai, il y a peut-être... Ouais, mais là-haut aussi, il y en a d'ailleurs. Ok. En vrai, je voudrais casser ça, déjà. Commencer, c'est déjà pas mal. Ok. Je crois que là, on va pas du tout du bon côté. Hein. Enfin, si, mais... Ok. Non, pas alors, ça doit être là, alors. Mais non, je me suis fait cramer les fesses, s'il vous plaît. Bordel. Je voulais même pas faire ça. Le pire, c'est qu'on est obligé de recommencer. Mais putain, c'est compliqué. Hein. Mais non, il m'a encore sucé. Je crois qu'on va se taper un deuxième game over, là. D'affilée, là, c'est pas possible. Allez, va sucer quelqu'un d'autre. Concentration. Ok, là on a une araignée. Hop. Ok. Là, ça... là, on va éviter de sauter. Oui, c'est quoi ce truc? Ok. C'est quoi cette merde là? Et là, par contre, je voudrais bien c'est passer au-dessus. D'accord. Ah oui, mais ça monte ici. Ok. Ah, mais il y en a encore d'autres, des saloperies. Non, mais non. Mais ils ont... Ils ont des têtes cheloues. 13 sur 20. Ok, là, on en a une. Tac, 14. Ok, encore 6, on est bon. Oh, ça, je veux... Ok. Ensuite, je sais même pas où je vais aller. Attends. Par là? Non, par là, c'est d'où on vient. On est descendu tout le truc. Bah, je sais pas où je dois aller, par contre. Ah. Peut-être. Hop là. Je fais passer mon pote. Par contre, j'ai loupé une bouteille, je crois. Ah, c'est ça, rien à une là. Tac, tac. Ah, il en reste 5. Est-ce qu'on les aura toutes? Je sais pas. Il y en a une derrière, j'ai vu. Je fais passer mon copain. Reste là, tranquille. Hop là. Couché. Oh, j'ai vu une vie là, non? Ah non, c'est le checkpoint, d'accord. C'est le repère de Miss Ruby. Pour entrer, tu auras besoin de la clé de la salle des gardes sur le socle porte-bonheur. Un champ de force surnaturelle la protège. Tu dois détruire les 5 bougies pourpres qui l'entourent pour les désactiver. Pas de problème. Sois prudent si tu ne veux pas finir en petit pois. Tu dois passer ces gardes vaudous. En petit pois, d'accord. Ils sont balèzes et travaillent en équipe. Nous aussi, mon pote. Je fais une petite pause là. J'ai 2 secondes, je reviens tout de suite.
Me revoilà. Alors. Hop. Du coup. Hop. Ouais, il faut aller tuer ce machin, je suppose. Hop. Boum. Ah. Je prends ça. Ah, il y a de la bouteille. Parfait. 17. Oula, 18. Il va où, lui? Non, je vois rien. Hop. 19 ici. Ah, il y a moyen d'avoir tout, en fait. Hop, allez, casse-toi. Allez, la dernière, elle est où? Je sais pas. Mais il y a moyen qu'elle sorte dans les parages. Elle est là, la petite. Parfait. Et on a le truc ici. Nickel. Nickel. Ok, c'est quoi le code d'accès? Si mes calculs sont bons, et ils le sont toujours, la combinaison est le 5-8-8. Nickel. Intéressant, c'est la technique du ramassage aérien de Chris Cooper. Chris Cooper. Il s'agit d'une extension du coup plongeant que tu connais déjà. Saute et appuie sur la touche triangle près des objets pour les briser ou les ramasser rapidement. Ok. D'accord. Parfait. Il nous faut de la clé, hein. Donc la fameuse clé. Qui est juste là. Et je sais pas comment on fait pour la choper. Ah, peut-être en cassant les bougies, du coup. Il en reste une. Tu as réussi! Le champ de force protecteur est désactivé! Ben voilà, parfait, nickel, hop là. Et c'est parti, en plus on a toutes les bouteilles, c'est cool. Let's go! Les ténèbres du marais. Ok. Paranormal atteint des sommets ici. Un niveau pareil ne peut être causé que par Miss Ruby en personne. C'est sans doute vrai, Sly. Si tu veux approcher Miss Ruby, tu vas devoir pénétrer dans ce temple en forme de crâne. C'est parti, petite glissade. Et en plus, on peut taper. Oh, ça sent pas bon, ça. Debout, ta draclure incapable. On dirait une grosse araignée. Magique pour améliorer notre production. Continuez d'agrémenter la soupe avec ces superbes os luisants. Et nous aurons une armée de fantômes prêtes à envahir Mexico avant la fin de la semaine. Par contre, ça va être compliqué. Vous entendez ça, mes petits vaudous chéris? On a grandi la famille. Et oui, encore et encore. Ah, on peut passer par là. Ok, on a une première porte. Hop là, l'action de la mort. Ok, bah c'est parti. Zimandi. On a un deuxième fer à cheval. C'est quoi ce truc qui m'a fait flipper? Ouais, on a des bouteilles à nouveau ici. Ok, oula. Parfait. Le coffre, il est là-haut. On peur cela. Tiens, c'est curieux. Et quand tu as frappé cette pierre tombale,
les fantômes ont disparu. 40 bouteilles juste là. Peut-être un générateur de fantômes. Un générateur de fantômes. Les pierres pour être tranquille. Attends, déjà avant le checkpoint, ok. Ça, on peut pas casser. Je sais même plus combien j'ai de vie. Bon, c'est pas très grave. 6 sur 40 sans bouteille. Non, mais... C'est bon. Ils sont un peu costauds quand même. On y reviendra après, on va frapper ça. Hop. Je vais juste récupérer ça aussi, parfait. Toile d'araignée, je peux pas casser. La borne à quoi? A priori, y a rien. Ah oui, d'accord. Quelque chose me dit que je vais me faire cramer. Voilà. Évidemment. Ok. Ça sent le boss. Non, 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 non. Mais oui, évidemment. Par contre, il me reste une bouteille. Et, ok. 12. On est même pas la moitié en plus. Ça, c'est quoi ça? Je peux pas bouger. Ils sont nombreux, les fantômes. Là, je peux pas casser. Il y a rien qui traîne. On va peut-être éviter de tomber, quand même. Parce que là, j'ai plus de... De quoi me protéger. Hein. On a de la vie, c'est bien. Qu'est-ce que c'est ça? Oula, dépêche-toi. Il y a pas une bouteille qui tourne avec, on ne sait jamais. Il serait encore capable d'en mettre une, juste pour emmerder le monde. Apparemment pas. Ok. Ça, on peut casser ça, non? On peut casser ce truc ou pas? On peut même pas casser. Oh. C'est nul. Par contre, je sais pas où je vais. Non, c'est terrible ça. On va où? Ah, mais non, mais je peux monter. D'accord. Doucement. Ok. Ensuite. Tac, 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 tac. Voilà. Ok. Bon, on a de la bouteille à aller chercher. Par là, on n'a rien. Ok. Attendez. Il y a des grenouilles, des tortues décédées, quoi, littéralement. Ça, en tout cas, ça y ressemble. On dirait des tortues desséchées, là. Les pauvres. Non, tu ne me suceras point. Ah. Bouteille. Allez, je la veux. 15. Pff, on est même pas à la moitié en plus. Ok. Ok. 16-17. Il y en a 3 là-bas. Ah non. Mais non! Pas grave. Je me noie, hein, ça me sert à rien. Je peux pas remonter. Je peux pas remonter tout le truc, quoi. Hmm. J'avais encore un fer à cheval. Ok.
T'es où? Ok, 19. Moustique. Ok. Hop, moustique. C'est à ce moment-là qu'on voudrait bien de checkpoint en plus, en fait. Là, on a... Hop. Une bouteille, ok. Ça, c'est bien ça, ok. Hop, parfait. Là-bas, c'est d'où on vient. Est-ce que là en bas il y a des trucs ou pas? Ah merde, je sais pas s'il y a des objets body. On a 24. 26. Est-ce qu'il y a là-bas? Je parie qu'il y avait de la bouteille en dessous, hein. Je sais pas si on peut descendre. Où vous sortez, vous? Ok, on a la clé. 27. On est loin des trucs. Oui, il m'en manque beaucoup, là, des bouteilles de trucs. Bah oui, je sais, merci. 31. Il m'en manque 9, quoi. Il m'en manque 9. Où est-ce que je peux aller les chercher? Et toi? On le sait. On le sait qu'il me manque des indices. Mais où est-ce que je peux les trouver, les autres trucs? Je vais retourner par là. Déjà en face, on n'a pas été là, je crois. J'ai envie de redescendre juste pour voir, en fait. Je me dis que mes bouteilles, elles sont sûrement en dessous. Ah, là, on vient par là. What? J'avais vu un truc où il y avait plusieurs bouteilles, en plus. Attendez, je redescends, hein. On n'a pas été par là. Hein. Moi, ça ne me dit rien du tout. Bon, au pire, tant pis, mais bon, c'est quand même embêtant, quoi. Mais non, t'es sérieux, là? Sly, sois sur tes gardes. Mes scanners indiquent une très forte présence paranormale. Là, c'est pour descendre. Mais en fait, ça, c'est d'où on vient, quoi. Donc, il n'y a plus rien par là. Non, je veux pas les jumelles. Ah ouais, mais là, c'est d'où on vient, du coup, donc... pas ouf, quoi. Y aurait pas des trucs en dessous? Non. Là, y a rien. Pas une bouteille qui traîne. Quoi, c'est bizarre, ça. Là, on revient là, ok. Tac. 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 Ah, mais là, en face, il y en a. Mais comment je peux faire pour les choper? Ah bah, peut-être par là, du coup. Hop, ok. Ok. Parfait. Ah, bon, on a peut-être tout là. Oh là, oh là, oh là, merde. Je sais pas ce que j'ai fait. 36, 37. Allez, encore 3.
bon. Ah oui, du coup, il faut repartir là-dessus, c'est vrai. Mais j'oublie à chaque fois, en fait. Ok. Donc, il nous manque 3 bouteilles. Les 3 bouteilles, je sais où elles sont. Étant donné que je les ai vues au loin. Mais je sais pas comment je peux faire pour les choper. Attendez, je remets la cam, du coup. Comment je peux faire pour les choper, les 3 dernières? Oh, attention, le lustre. Ça s'accroche, là. Yes. Hop, les tortues mourues, là. C'est chelou, quand même. Et ouais, donc les 3 bouteilles, elles étaient là-bas. Hein. Là-bas, en bout. Les voilà, et donc il faut repartir du coup par ici, ok. Ça, ça fait une arrivée de gaz, hein. Ça te souffle un peu au cul, quoi. Mais ça va. Hop. Bon, la dernière pièce, on s'en fout. Hop. Ok, on va pouvoir aller au coffre, mais il faut repartir par là. Mais non! Bon, c'est pas grave, j'ai les bouteilles, de toute façon. En fait, ça marche une fois sur deux. Ça, c'est là qu'il me remet au tout début. On a toutes les bouteilles ou pas, en fait? Ah, putain, j'ai un doute, là. J'ai eu de la chance. J'ai vu la petite flamèche, là. Attends. J'ai tous les trucs ou pas? Eh, hey, ça suffit les fantômes là. Oh. Mais non. Je vais mourir. Ah, il me reste une vie quoi. Oh, la saleté. Ok, bah ça va être le game over. Hein. Ça va être le game over assuré. Tu veux pas me looter une vie toi? Ah, oh, salaud. Va. Ça, ça m'embête un peu quand même. Ouais, dites-moi que j'ai tout... Oh, une vie. Ok, dites-moi que j'ai toutes les bouteilles, du coup. Je vais me retaper tout le chemin. Là, clairement, j'ai la flemme. Ah, je pense qu'on les a toutes, saleté. Saleté de fantôme. Ok, c'est pas grave. Ok, parfait. On sait. Allez, vas-y. Fais péter le code. Je te dirais d'essayer... 1, 2, 8. Parfait. Aspirateur à pièces. Quelle chance tu as, Sly! Cette page contient la technique d'aimant à pièces de Karine Cooper-Guiwa. Elle lui permettait de faire atterrir toutes les pièces alentour dans son sac. Dès à présent, tu ramasseras toutes les pièces proches de toi. Parfait, parfait, ça m'évitera de repasser plusieurs fois au même truc. Oh, c'est cool. Ben, go chercher la clé, on a fini le niveau. On a fini le niveau, c'est parfait, c'est cool. On est venu de où, là, en fait? Ah oui, d'accord. Donc, ça, on prend. Tac, tac, tac. Ok, on a une porte qui est juste là. Donc, non, on peut partir par là. Mais, merci.
J'arrive pas à le taper et je suis bloqué dans le truc, quoi. C'est nul. Attends, mais je vais te faire ta fête, toi, mon pote. On redescend par où, maintenant. Bon, dernière vie en plus. Oh, je voulais pas faire ça, mais bon. Le seul moyen d'ouvrir cette porte vaudou consiste à allumer les 25 torches porte-bonheur avec le lance-flamme de ton bâton. Dirige-le avec le joystick analogique gauche et appuie sur la touche croix pour tirer des flammes. Ouais. Ah, une dernière chose. C'est le genre de mini-jeu que j'aime pas, moi. Le lance-flamme, sers-toi des piranhas qui se baladent autour du... En plus, on est obligé de les faire, c'est ça le pire. Un poisson équivaut à un jet de flammes. Dépêche-toi de les courser. Tu n'as que 2 minutes pour allumer toutes les torches. Tu me les brises, Bentley, là. Bon, et quelle torche tu me parles, toi, déjà? Oh non, mais ça va être chiant. J'ai l'air fin, moi, à écraser des piranhas. Ok. Ah, il me reste encore beaucoup, là. 35 secondes pour... Je vous déteste, vraiment. Et 24 secondes, c'est faisable. Je sais pas combien de torches il reste. Ouais, dites-moi que c'est une blague, s'il vous plaît. Fichu poisson. Je crois qu'il en reste une à allumer en plus, non? Oh, bah bingo, ok. Le premier coup. Ok. Et la clé est juste là. Parfait. Ok, bon, finalement, ça... Mais ce genre de mini-jeu là, j'aime pas du tout. Hein. Et on a ça à chaque niveau. Enfin, à chaque. Ouais. À chaque chapitre, on va dire. Ok, les piranhas, c'est bon. On retourne d'où on vient. On a un truc là-bas. Ok. Allez, hop. Je crois que celle-là, on l'a fait au-dessus, hein, je crois. Je suis même pas sûr. Non. L'antre de la bête. Ok, on l'a pas fait, ça. Parfait, parfait. Donc, le prochain boss, c'est un crocodile. Miss Ruby, c'est ça. Très flippant, le portail avec deux têtes chelou, là. Cette porte vaudou est super blindée, ma parole. Miss Ruby veut vraiment empêcher quiconque de rentrer. Ou peut-être essaie-t-elle d'empêcher quelqu'un de sortir.
Ok, désolé. Ok, on est reparti. On en est où là? Ouais. Alors on peut monter par là. Ok, le fameux portail horrible. Ok, on a 3 bouteilles ici. Sur 30 cette fois-ci, d'accord. Mais. Ok, il y en a une là, non? Ah non. Je pensais. Là en face, par contre, il y en a beaucoup. Oh là, parfait. 100 en dégage. À mon avis, je dois les éclater. J'en ai vu une autre ici. Il n'y en a pas d'autres? Si. Ok. Non! Oh, mais deux, mais dans d'affilée, oui. Beaucoup trop d'araignées. Bon, bah tant pis, hein. Ah, oh, bah voilà, ok, parfait. Je pouvais les récupérer. Tant mieux! Heureusement qu'il y avait un truc en dessous. Tac 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 tac. Attends, il y en a encore une là, non? Ah non. Ok, on saute là. Là-bas, il y a la clé. Ok, fin de level. Il n'y a plus rien du coup. Alors attends, parce que moi, je suis pas prêt. Non, c'est bon. Tac. Regarde s'il n'y a rien à proximité, saloperie de bestiole. Ouais. Je déteste les araignées, bon sang. Allez, viens, moustique. Hop là, ok. Non. Je vous déteste. Une grosse tarentule. Moustique, laisse-toi. Je voudrais bien monter là-haut, je vois qu'il y a une bouteille qui traîne. Même 3 d'ailleurs. Ok, on peut monter par là. Oh, bah il y en a plein là, des trucs. Ok, on casse. Tac, tac. Ok. Moustique. Enfin, ça, je récupère. Casse tout, hein. Hop. C'était pas voulu, mais... pourquoi pas. Mais pourquoi tu fais ça? C'est mon checkpoint, là, en dessous. Attends, il y a une bouteille là-bas aussi. Ah, il va falloir que je redescende. D'accord, ok, donc c'est la suite. D'accord. Non. Reviens ici. Mais bravo. À côté du checkpoint, s'il te plaît. Bombé littéralement à côté. Oh, mais en plus, c'est la fin, quoi. Petit game over. Moi, oh, non, faut recommencer. Pour commencer, mais par contre, on a déjà les bouteilles. Hein. Besoin de les récupérer. Ah, les fameux indices. Ouais, non, ça va. On ne doit pas les récupérer. C'est déjà pas mal. On aurait pu mettre des écureuils, hein. Allez, checkpoint, parfait.
Ok, on a rattrapé notre retard. Hop. Parfait. À toi, viens ici, toi. Hop. Tac, on descend. On passe là. Et là, on chope le checkpoint. Voilà, parfait. On a de la bouteille ici. Tac, tac. 26 sur 30. Oh, il en reste 4 à choper. C'est parfait, ça. Oh. Pas grave. Si c'est grave finalement. J'ai un checkpoint donc c'est rien. Ah oui, c'est un serpent géant quoi. Ok. Il vaut mieux ça qu'une énorme tarentule. Hop. J'arrive pas à récupérer ces fichues bouteilles. Ah, l'autre il va beaucoup trop vite. Non, en fait la caméra était chier par contre. Je vais pas mettre la caméra comme ça là. Mais il est con. Hein. Ah, il est con le Cooper. Hein. Ok, il va falloir que je fasse attention en fait. D'accord, ok, j'ai même pas touché le truc, mais bon. Ok, alors. On y va, mollo. Je sais pas combien de bouteilles j'en suis, j'ai pas vu le compte. Checkpoint plus. Ah, je sais pas combien de bouteilles on en. On est. On n'est pas à 30, hein, je pense pas. Je pense que j'en ai loupé, à mon avis. Je peux pas bouger pour l'instant. Bon, attends, je vais pas prendre la clé maintenant. Le compte est bon ou pas? Ah oui, parfait. Ça va, on sait, Murray. Ou Bentley, ou. J'ai dû vaincre mes démons intérieurs pour déchiffrer ce corps. Bon allez, fais péter. Essai 4, 4, 4. 4, 4, 4. C'est un 9. Allez hop, voilà, un nickel. Voici les plans des installations de Miss Ruby. Je te transfère ces données dans ton binocom afin de t'aider binocom. À trouver des indices. Et autres objets. Ok, c'est là où on se casse la gueule que c'est un game over et que je dois tout recommencer. Parce que le chemin retour a l'air chiant. C'est bon. La fameuse clé. Les ténèbres du marais. Et que ça glisse. Ça glisse pas. ok, donc ça c'est la porte. Donc, il faut aller par là. Est-ce qu'on a toutes les clés? Je doute. Hein. Je doute sur le fait qu'on ait toutes les clés. D'accord. Ça a cassé. Et là je. Vous abusez quand même. Eh vas-y, bah oui, on se casse la gueule, on est mort, c'est cool. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai une sauvegarde. Je crois que c'est la dernière vie, hein. Non, mais non, il faut pas aller là. Hein.
Là où il faut pas aller non plus. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Oh shit. Ok. Oh, parfait, tu ouvres les portes, c'est bien ça. Tue-moi l'araignée squelettique qui est là aussi, s'il te plaît. Non, tu veux pas. Ok. Attends, on est d'accord que c'est une grosse araignée, non? Enfin, je sais pas. C'est un truc tout chelou. Ok, ça c'est la suite. Est-ce qu'il faut casser toutes les bougies ou pas? J'ai un doute. J'ai un doute là-dessus, mais... Sait-on jamais? Non. Par contre, je voudrais bien aller là-bas, quand même. Hop. Oup. Ok, et là... Une marée de l'effroi, j'ai la clé, d'accord, donc... Le truc qui servait absolument à rien, mais bon. Donc j'ai perdu de la vie inutilement en allant par là. C'est trop cool. Donc en fait, il est ouvert par là, donc ça, c'est la suite. Ouais, c'est bien, elle meurt, bestiole. On dirait un fouet vaudou géant destiné à battre, non pas des œufs, mais cette espèce de mélasse. Et on va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. La pression pour me propulser dans le temple de Miss Ruby. Ok, nous avons donc un plan. Rapproche-toi de ce truc en passant par les ombres des masques pour ne pas te faire repérer. Allez les amis, on va s'arrêter là. Du coup, hop là, je vais sauvegarder ici. Tac, tac. Ça, on a 42%. C'est cool. Ok. Et bien, on s'arrête là. On se retrouve peut-être demain. On verra bien. Puis d'ici là, ben, on se dit à très vite.